Salut. Pas le malin. Ok. Salut Mathieu. Comment est-ce? Et bonjour à Barbera Rosa. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Hop, alors attends, on va aller où? C'est quoi, il me faudrait un petit onglet chat sur en plein sur mon écran, mais I don't know how to do this. En tout cas, ça semble pas être une super idée de passer par là. Ah ouais. Ah et alors on en a besoin des cailloux. Putain. Il nous faut des cailloux. Beaucoup. Vraiment beaucoup trop. Mais bon, ça a vachement bien avancé depuis la dernière fois. D'ailleurs, on n'est même plus sur le même serveur parce que l'autre il était buggy as fuck. Il y avait beaucoup trop de bugs dans le jeu. Alors, j'ai changé sans trop tarder parce que bon, c'était insane. Autant aussi on a up un petit peu, là je joue plus tout seul d'ailleurs, plein droit. Ouais mais bon. Quand tu joues, t'es sur ton écran justement, je le quitte rarement des yeux et justement c'est ça qui me fait défaut. Faut que je pense à regarder un peu plus ce petit écran. J'étais sur un serveur x10 quand j'avais commencé, et là du coup on est passé sur un x5 pour. Parce qu'on avait trouvé que le serveur était propre, qu'il avait. Était pas bugué, il était tenu à jour. Hop 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 hop! Vous voyez ça là-bas? Et bah du coup c'est niette! Pas en condition pour aller se le faire. Bon, à deux, je pense qu'on l'éclate, hein, mais. Mais je suis seul. Donc ça aide pas. Puis en plus je suis full. Chiant. En phase de récupération de soufre parce qu'on est à sec et vu les quantités astronomiques qu'il va nous falloir pour construire ce château, que dis-je, ce monument, il va en falloir un paquet.
Et là, à venir, de toute façon, on a des donjons à faire pour récupérer du stuff beaucoup plus lourd. Quand je dis lourd, c'est... truc de ouf, quoi. Alors du coup, je casse des cailloux. Ouais, ça va, puis en plus ils rajoutent pas mal de contenu, hein. Il y a, par exemple, là, quelque part là, dans le coin ici, là, ils ont rajouté un donjon avec une araignée ou une reine araignée, je sais plus, mais il y en a un, ouais. Enfin, ils en mettent de plus en plus, c'est ça qui est cool. Même si, voilà, on voit que dalle, hein. Même s'ils sont pas non plus tous bien bien expliqués. Enfin, Rip. Big rip, quoi. Oui, c'est vrai, je peux faire des cailloux sur le cadavre des mobs, quoi. Oh, ils ont... ça a dégagé. Ouais, c'est normal qu'il soit suivant, parce qu'en fait, je suis en surpoids. En fait, dans ce jeu, bah, quand t'es en surpoids, bah, du coup, t'es en surpoids, donc tu vas pas très vite. Mais dans un serveur officiel, ça serait tellement différent. Là, en fait, ça voudrait dire que je serais obligé de rentrer comme ça jusqu'à ma base. Mais là, en fait, le serveur, il est modifié. Donc, en gros, si je me suicide, je reviens juste à ma base avec tout ce que j'ai sur moi. Et bah, c'est tout, quoi. En fait, c'est volontaire, c'est 100% volontaire. C'est juste qu'en fait, j'ai besoin de ressources en masse. Donc, il m'en faut beaucoup, tu vois. Là, si j'ouvre mon inventaire, je suis à 163% de mon poids. Et encore, en grosse session de farm, je peux monter à plus de 3000. Et là, bon, bah, t'es content, tu ramènes un beau gros butin. Bon, sans côté, allez, hop là! Petite tempête de sable des familles. Heureusement, j'ai un masque filtrant sur moi parce qu'ici, en fait, on est dans une source pleine de soufre. Donc, déjà par défaut, si t'as pas de masque, bon bah tu perds des HP non-stop. Et heureusement, dedans, il y a les tempêtes de sable qui sont assez. Merde, ce que je fais moi. Qui sont sympas en fait. Les tempêtes de sable, bah, si t'es pas abrité, bah, tu perds de la vie parce que bon, c'est une tempête de sable après tout. C'est. On les connaît, hein. Dans la réalité, c'est rarement. Sain de se taper une tempête de sable. Bon, en même temps, je dis ça, j'en suis jamais prise. Hein. Je sais pas trop. Mais je pense que c'est dangereux. Peut-être. Il y a des chances. Ça, c'est rentre en plein, ça. Et rentre en plein, il est mort. Moi, je sais pas, j'ai même pas de cap pour mon soufre. Là, je suis à 4400, c'est bien, ça va vite, ça va très très vite même avec notre petit x5 qui est relativement. Oh, c'est beau! Ok. Nice. On va regarder la vue en bas parce que ça fait beau. On dirait, vous savez, l'intérieur d'une tasse de café quand il coule, là, comme vous savez, comme dans les pubs expresso, tout ça. Ouais, on est dans un. En fait, vous savez pas, mais le jeu c'est une grosse simulation. On est une dosette de café. Et on se fait couler dessus. Voilà. Fallout, pas du tout, non. Dans Fallout, tu peux sprinter. Quand même, tu vas plus vite. Bon, après, ouais. Ah, Fallout. Que d'expérience. Eh, hey, motherfucker. Plus en surpoids, donc là je consomme environ 1 milliard de fois plus d'endurance, donc du coup c'est pénible. Hop là, allez, ça dégage. Ah bah c'est fini. Ah, c'est beau.
L'expression le calme après la tempête prend tout son sens. Ah, mais c'est pour ça qu'il y avait un filtre, en fait, la vue, elle prend l'eau. Ah, ah ouais. Je suis photographe dans l'âme sans le savoir. Ouais, exactement. Enfin, oui, c'était chiant d'ailleurs. Et en fait, Thomas, t'as joué auquel de Fallout? Parce que moi, j'ai été pro Fallout 4. Fallout 76, j'ai bien mal, je l'ai payé 200 balles pour avoir l'édition collector. J'ai joué 4 heures. Voilà. J'en veux plus d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, j'ai un petit casque de l'édition collector à vendre, tellement je suis dégoûté. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y en a plein qui ont trouvé leur bonheur sur ce jeu. Moi, je n'ai pas réussi à le trouver. C'est vrai que quand t'es un ancien joueur de Fallout, t'es habitué au solo, et là, en fait, le mode multi, il était pas. Bon, en même temps, faut dire, j'ai pas eu de chance. Je commence à jouer, je me prends une bombe nucléaire sur la gueule, lancée par un joueur qui, au bout de 7 heures de jeu, lui, avait déjà trouvé les codes d'accès et tout. Bon. C'est compliqué, surtout quand toi, tu viens de capter seulement que t'as dans ton inventaire un numéro de code, justement, pour l'activer. C'est compliqué dans ces cas-là. C'est même peu ragoûtant. Ah, toi aussi? J'ai une chaîne YouTube, moi, sur laquelle, en fait, j'ai débuté à la base sur Fallout 4, et ouais, je l'ai torché dans tous les sens, Fallout. Et entre la PS4 et le PC, je vais peut-être à, je sais pas, 15 jours de jeu, un truc comme ça. Je sais qu'il y en a qui ont fait plus. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je pense. Peut-être. Après, hein, c'est pas. On n'est pas sur celui qui a la plus grosse, hein. Enfin, même si on aime bien. Bien montrer qu'il y a des grosses bosses. Mais. Ouais. Est-ce que je vais aller là-dedans ou pas? Je crois que le boss il était là-bas. Ou en bas? Je ne sais plus, je ne veux pas y aller dans le doute. Être complètement con pour essayer de se suicider comme ça. Et tu refais Skyrim, bah putain, t'es courageux, t'es vachement courageux. Moi, Skyrim, j'y ai jamais joué à proprement parler, j'ai joué à Tezo, le premier Tezo en fait. C'était ma première expérience en fait de The Elder Scrolls, et je trouvais ça fun, mais c'est vrai qu'il était pas super. Et Skyrim, il est vachement comparé en fait à Fallout parce qu'en fait, il peut être modé dans tous les sens. Donc, ce qui rapporte vraiment quand même un gros plus pour le jeu, quoi, je trouve. C'est toujours, je trouve, agréable, moi, de pouvoir modder le jeu en fonction de ses sens, tu vois, enfin, de ses goûts. Même si 97% des gens modent pour voir des TT un peu partout, ce genre de choses, hein. Je ne le cache pas, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle Sexy City qui m'a posé problème. Mais qui est sympa, hein. Faut avoir 18 ans pour la regarder, par contre. Malheureusement, j'ai pas eu le choix. YouTube me l'a imposé. Mais elle est sympa. Hop. Et en plus, sur ce serveur-là, j'ai pas enlevé la nudité. C'est-à-dire que sur Twitch, j'ai intérêt à faire vachement gaffe parce qu'à tout moment, des TT peut y en avoir et. Le problème, c'est que la nudité, c'est interdit. Chier ça. Peut-être voir dans les paramètres si je peux pas la remettre, la nudité. Enfin, l'enlever. Si je dois tout enlever, qu'est-ce que tu veux? Allez, viens, viens! Motherfucker! Viens! C'est ça. Il y a le son comme si. D'ailleurs, dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire si jamais c'est le son du jeu, il est pas trop fort? Je l'ai baissé parce qu'en fait, en montant ma vidéo du stream, j'ai remarqué que le son était vraiment trop fort. Et en fait, personne ne me l'a dit. C'est embêtant, vous voyez. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Le pauvre tétanisé, il n'a pas pu m'attaquer. Excellent. D'ailleurs, vous savez si dans Conan on peut enlever la nudité ou pas? Parce que bon, c'est pas que fréquemment t'as un barbare qui t'attaque d'une sortie de nulle part, un barbare femelle par ailleurs, qui t'attaque, tu sais pas pourquoi, gros boules à l'air. Qui balotte dans tous les sens. C'est mieux que la dernière fois, d'accord. Bon, bah t'aurais pu me le dire la dernière fois, d'ailleurs. Donc, hein? Voilà, par ta faute, du coup, je tombe. Si je meurs, c'est ta faute. Ah, c'est tout, c'est comme ça. Bravo, félicitations, j'espère que t'es fier de toi. On entend presque pas la musique, alors, ouais, bah du coup, en fait, c'est volontaire, mais
en fait, c'est le son général du jeu que j'ai baissé. Ou alors, je devrais peut-être remonter le jeu. Parce que, ouais, voilà, j'avais déjà vachement baissé. Je peux remonter ça. Voilà, puis vous me direz, hein, je... Hop là, attention, téléportation. C'est magique, ça. Ça, c'est magique. Nice, ben, merci, je te l'avais dit. Non, tu me l'as pas dit, menteur. T'es un menteur. Alors, ouais, j'ai remis des vêtements à notre danseuse parce que je pouvais pas la laisser sans vêtements. C'était pas possible. Je me co. D'ailleurs, j'étais. Genre, je me suis déco ici. Je me reco là. Donc, imaginez-vous. Voilà. Elle avait pas de vêtements. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. C'est pas possible. Bon. Alors. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, je me suis mis en armure lourde pour lutter contre le froid. Donc, du coup, je ne fais plus de roulade. Mais. Des bons en avant. Voilà. Je bondis. Hop, hop, est-ce que je peux en faire d'autres? Je ne peux pas en faire d'autres, ce n'est pas grave, on va mettre ça là-haut, dans un coffre d'ailleurs, hop là. Pas belle cette tenue, je n'aime pas du tout, hop, d'ailleurs on va vite, parce que là, regardez-moi cette tête, regardez-moi cette tête. Voilà. Bon, la tenue n'est pas spécialement belle, mais bon. Donc là, de toute façon, ici on est sur un avant-poste, hein. Ce n'est pas du tout une base, une vraie base, hein, loin de là. On va mettre ça dans le coffre, caillou. Le sel, le sel. C'est vrai que quand tu meurs, c'est un peu salé, mais. Hop, voilà. On va mettre ça. On va remettre ça dans le coffre. Alors, je t'avais dit qu'on n'entendait pas beaucoup ta voix par rapport au son du jeu. Donc, du coup, là, c'est bien ou pas? Parce que, du coup, là, attendez, hop, je vais dans les réglages. Je peux remonter. Je suis pas à fond au niveau du son de ma voix, parce que je voulais pas que ça sature. Je voulais pas que ça ressorte dégueulasse, mais bon, voilà quoi. Pourquoi il y a un travail de torsionnaire ici? Et pourquoi. Il y en... Bah non, en fait, il n'y en a pas en bas. Hop, voilà. Allez, prochaine fois que t'as un truc à dire, bah dis-le pas. Voilà. Alors, attendez, pourquoi déjà j'ai des insectes sur moi là? Wow. Ça suffit, hein. Attendez, est-ce qu'on va faire une petite récupération de. Hop. Hop. Je vais faire une petite récup de. Faut que je fasse de la ficelle pour faire des consolidants. Pour ensuite faire de la brique durcie. Ah là là, oui, c'est vrai. Attendez, je vais prendre mon hachoir aussi parce que je suis un peu en galère de viande. Enfin, on est souvent en galère de viande et du coup, là, on en a pas mal. Et comme on en a pas mal, bah, faut qu'on construise une boîte pour conserver tout ça. Et comme on n'a pas de boîte, bah, déjà, c'est un problème. Voilà, attaque spéciale. Grosso modo, ces dents de sabre là, on ne les craint plus vraiment, pas par nos armures, mais par nos armes. Il n'y a plus trop de problèmes. Par contre, cette même bête, dans le même style que lui, donc c'est-à-dire en baby boss, j'ai fait l'erreur d'expérimenter. Enfin, c'est lui qui a expérimenté plutôt, parce que moi, il m'a pas laissé la chance, hein. Je l'ai vu, il m'a vu, je suis mort. Pas compris, pas eu le temps. Il a fait un petit jump en mode Motherfucker style là. Et téléportation de Vita. Ah nice, ça y est, enfin tu vas avoir ton PC, c'est cool. Il est temps, hein, parce que bon. Parce que c'est tout, en fait. Voilà. Je suis en extrêmement froid. Pourquoi? En froid? Bah non, bah non, c'est vrai que c'est une armure de niveau 1, donc du coup, c'est normal qu'on n'ait pas qu'on ne résiste pas plus. Hop là, les graines, on va les garder. J'ai du gruau à faire. Les crocs et les griffes, on va peut-être les garder pour je ne sais pas quelle raison. Je ne sais pas, on va les garder. Et si on s'en sert pas, eh bah, ben on en fera de la poudre d'os. On va pas s'en approcher, hein. Ils sont relativement grands. Hop, on commence à faire la ficelle. Hop, 416, c'est bien. Si seulement ça pouvait aller plus. Oh là, j'ai entendu quelqu'un faire un drôle de bruit. On va se reculer.
et éviter une aggro, puisque je suis un peu vulnérable. Hop, allez, course auto jusqu'à là-bas. C'est parti. On va faire 20 de plus. Ça va être très très long. Les poignées d'insectes, on s'en tape. Ça, donc ça va être usé. Ça, la viande sauvage, on s'en tape. C'est absolument pas nourrissant. Viande savoureuse, ouais, c'est pareil. C'est de la dope. Faut pas les prendre. Ça sert à rien. Hop, il y a ça. Viande exotique qui n'a rien à foutre ici. Et puis voilà. Hein? Pardon, je suis désolé. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc ici c'est un avant-poste. Et là, en fait, on a le début de notre base qui commence. En fait, donc pour l'instant, c'est. C'est juste des pauses avec des trucs en grès, hein. C'est pas, c'est rien de ouf, c'est juste en fait on établit notre plan entre guillemets. Oh, bah, je suis pur sur quoi, nice, cool. Hop, donc là sur le style Yamatai, donc on part sur un style japonais. Donc moi j'étais, moi j'ai le style, et je suis en style turanien. Voilà, ce style turanien que moi j'ai. Et on va changer, donc je pense que je prendrai aussi le petit pack Yamatai, parce que là en fait si mon pote qui construit ça n'est pas là, bah en fait on n'avance pas. Voilà, et du coup c'est pas bien ouf. Donc bon, ça va vachement changer, donc je sais pas, je mettrai dans... Au montage de ce stream, je mettrai une petite photo de l'ancienne base qu'on avait. Donc bon, après j'ai pas pensé à la record. Je suis un peu con. Mais bon, c'est comme ça. Attendez, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas ça là dedans? Ouf, parce qu'il y a beaucoup trop de poissons. Ah ouais, parce que bon, il faut de licor. Donc licor, on vous les tue, en voilà. J'ai ramassé 1 milliard de poissons. Alors qu'on pourrait faire des composts avec tout ça. Cessez de guérir. Pas demander de guérir. Voilà. Alors, si on fait ça. Ah merde, il faut du charbon. Ah, j'ai bien mal. Ah, j'ai bien mal. Ah là là. La douleur. Ah mais attends, est-ce que quelqu'un pourrait pas venir me récupérer mon... Ça se trouve, quelqu'un va venir me voler ma bouffe. Est-ce que je peux pas juste détruire ce truc là? Démonter. Voilà. Au lieu de me faire chier à tout ramasser. Hein. J'aurais peut-être pas dû démonter le premier et laisser le deuxième. Je sais pas. On verra. Pour l'instant, on va en faire un. Ce sera pas mal. Déjà, hop, on va aller. Peut-être. Je vais peut-être en monter un là-haut. Je ne sais pas. Ça, on va monter aussi, ça sert à rien. Ça, je sais pas pourquoi il y a de la viande putride dedans. C'est pas grave. Hop là, je suis tombé comme une merde. Je viens. Est-ce que. Oh, tiens, voilà, mon poteau qui est là, sans connaissance. Alors attendez, établi de cuisinier, je ne sais pas du tout si je les ai faites. Maître charpentier. D'ailleurs, est-ce que c'en est ça? Établi de charpentier. Est-ce que c'est pas d'établi de maître charpentier? C'est en survie. Donc lui il a appris ça, donc j'ai pas besoin de le faire. Il a appris ça, j'ai pas besoin de le faire. Maître tanner, il fait. Et j'arrive pas à voir si c'est du maître charpentier ou non. Si, si, ça en est. Hein. Ça en est, ça en est 100%. Donc je vais pas la prendre, ça sert à rien. Pas de débile, hein. Pas le faire deux fois. Alors, ça sert à rien. Chef cuisine, voilà. C'est ça que je voulais. Oh, il y a le coffre-fort à faire aussi, mais oh là là. Il faut tellement de ressources pour le fabriquer, ce coffre. Il est tellement grand aussi. Paysou. On pourrait pas devenir paysou non plus. Maître dompteur aussi. Il va peut-être falloir que je commence à crafter ça pour ramener des animaux. Parce que, bon, la purge, on en est où? On est bientôt à la moitié. Ça va, franchement. C'est plus que réseau. Mais quand la purge, elle va nous tomber sur le coin du nez, là, on va être content.
Donc, très grande roue de la fin. Tu peux fabriquer de la nourriture pour animaux avariés. C'est bien. Cheval blanc, tu peux faire 4 chevals blancs identiques, c'est très bien. Faire un puits, je me tâte, maître dompteur. Allez, vas-y, ça part sur du maître dompteur. Je vais peut-être apprendre pour faire un coffre qu'on mettra. Je mettrai le coffre dans un coffre, peut-être si je le fais. Les armes, parce que ça commence un peu à devenir. Hop, on va faire donc manche et poignée 1. Combien j'ai de points? 161, ça va. Manche et poignée 2. Et il nous faut manche et poignée 3. Ok, donc là maintenant on peut tout apprendre. Donc j'ai le style turanien, moi, qui est débloqué par défaut. Ok, j'ai l'épée turanienne. Donc on peut faire 58 de dégâts. Et actuellement, moi, elle fait combien? 47. Peut-être moyen de faire mieux, là. C'est dans quoi, les lances? Ok, donc c'est là. Ok. Donc moi, j'ai le machin comme ça, d'accord. Là-dedans, on a que les dagues. Manche et poignée 3. On a que les dagues aussi. R. Non, en vrai, c'est les épées à deux mains, hein, qui sont. Je trouve qu'ils ont le plus de dégâts. Hein. Donc, alors. Alors, ma demain est piqué à ma taille. Pourquoi lui il peut faire autant et pourquoi moi je peux pas en faire autant? C'est dégueulasse. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On va. Je vais pas tilter, il ne faut pas tilter. Alors, épée à deux mains style turanien. Je me tâte, hein, parce que c'est vrai que la pique elle est bien, ça garde à distance, mais. Bon, là ça renverse quoi. Je crois qu'elle renverse. Tabu de forgeron. Je me tâte, hein. Vraiment je me tâte. Je sais que la pique que mon ami me fait est géniale, mais voilà, ça fait plus de dégâts et disons que ça dégagera un peu plus quoi. Je vais tester. Je vais tester. En attendant d'avoir l'épée en os de dragon, tabis de forgeron. Donc du coup, pour faire ça. Voilà, il faut un machin exceptionnel. Il y a déjà un long manche qui. Je sais pas d'où il sort. Ok, bon, il y a déjà un long manche. Je sais pas comment on les craft pour peut-être me faire gronder si je le fais. Le long manche, il se fait où? Ah putain, il faut du métal stammer. Ah, il y a plein de métal stammer. Ouh, les griffes, les crocs, on n'a pas besoin. Les crocs, on n'a pas besoin. Par contre, les griffes. Poudre d'os, on a peut-être assez. Je dis ça, mais vraiment comme ça. Je voulais faire quoi déjà? Un truc de cuisine. Cuise. Pas ça. Attends, on va faire ça. On va aller. Tout en bas, établi, c'est pas assez pourquoi c'est. Ah, poil amélioré. 300 pierres, 50 renforts en acier. J'ai dit combien déjà? 30? Je crois que c'était 30. Hein. Il me semble que c'était 30. Mais bon. Caillou, merde, j'ai pas de caillou. 300 pierres. Hop. 300 pierres, hop. Ouais, je sais. Améliorer. Oh. Okay. Ah, c'était 50. Oh là là. J'arrive à oublier en. Pas en temps. Fabriquer. Deux secondes, les potes. Je vous referai après. Et on fera ça ensuite. Ok. Donc, la table de cuisine va aller là-haut. Pour venir me faire chier. Attends, y'a quoi dedans? Y'a rien. Alors. On démonte. C'est plus rien. Hop. On démonte.
établi de cuisine qui devrait passer là sans souci, sans faire trop chier. Comme ça. Voilà, elle fera pas trop chier. Donc il nous faut ça. On met toute la taupe dedans. Là, comme ça. Et puis en soi, j'en ai dit que ça servait à rien. Et il faut absolument qu'on fasse un truc de conservation, sinon on va perdre toute cette bidoche. Il se passe rien. Ah merde! Ah, c'est pour faire des trucs. Des trucs mieux quoi. Ah merde! Il faut des épices du coup. Et faut un peu de poisson, un peu de chaque poisson. Ah! Ça pourrait être intéressant, on pourrait en faire, faire des bons poissons. Par contre, du coup, bah, j'ai bien mal parce que cuisson de la viande et il n'y en a plus. On va refaire un feu de camp du coup. Hein. Rip moi. Feu de camp. Ah, j'ai pas de broche, putain. Hop, ce qu'il faut, 5 branches. On a dit un petit feu, donc hop là. J'ai dit hop là. Notre ficelle, on la remettra ensuite. Là, on va le mettre. On va le remettre en haut. Hein. Voilà, voilà. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Donc là, du coup, toc toc toc. Hop, c'est pas cuit. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut enlever cette là, le mettre ici. Ça arrive là-dedans. Let's go. Pot de filin, ça sert à rien. On va la tanner tout de suite. Yes, pas mal ça. C'est reparti, barre d'acier, on va prendre ça. Ok. Alors ensuite, toi, tu es en fonctionnement, mais c'est pas non plus une dinguerie. On souffre, c'est un peu con quoi. Toi, tu fais rien. Je vais peut-être te filer. Je suis trop con, j'aurais peut-être pu déjà t'en filer. Voilà, déjà tu feras ça. Et le gars qui fait le caillou, il est où? Il fait ça. Ça va pas vite du tout. Ça ne va pas très très vite. Que puis-je faire à présent? Les graines. On va peut-être arrêter la production. Hein. Faire du gruau. Voilà. Et quand même faire peut-être une boîte de conservation. Non, 20 lingots, ça, c'est pas la fin du monde. 4 glaces noires, j'espère qu'on en a. On en a 4. Il nous faut du bois isolé. On devrait en avoir. Combien il en fallait ? Je ne sais plus. Il me faut que j'en prenne 30. Non, 5. Ah bah oui, il ne fallait pas beaucoup. C'est bon déjà? Elle a fini de se faire? Bah elle est où? Les mensonges là. Bah je les ai sur moi, lingot de métal stellaire. Il est con ou quoi?
je peux pas la faire. Ok. Oh, attends, dans quoi c'était? Bah, c'était là. C'est pas grave. Tout donner pour le viande, de frais et en fabrication. En fabrication. Ah ouais, putain, je l'ai pas vu. Oh, je suis trop con. Merci, gros. Ah, je sais pas si j'avais pas un bug d'affichage ou quoi, mais. Alors, hop, je sais pas où je vais la mettre par contre. On peut-être. J'ai pas envie de la mettre dehors parce que si on la met dehors, on pourrait nous la voler. Enfin, nous voler ce qu'il y a dedans. Hop, ça va aller. Juste ici. Voilà. Donc, je suppose qu'il lui faut peut-être de la. Je sais pas s'il faut pas de la glace pour. Donc, prends tout ça. Hop. Allez là. Voilà. Donc là, il y a déjà pas mal de trucs de fait. Voilà. Ok. Je vais aller reposer des outils. Ici. Et là, je vais prendre une massue en acier. Massue en fer. Ok. Normalement, il y avait une massue. Ça et je vais aller voir pour chercher des esclaves un peu parce que c'est vrai qu'il nous faudrait du fondeur 4 ou du fondeur au moins du fondeur 3 quoi. Hop, le poisson cuit, bah les que faut aussi que je fasse un petit retour pour aller chercher du poisson. Donc là on fait une grosse prépa de ressources pour dehors. Ça prend du temps. Lui du coup ouais bah lui en fait c'est ce qui pêche c'est le fait qu'il n'ait pas de. Ça aille pas très vite quoi. Voilà, toi t'as ce qu'il faut combien de temps t'as? 10 heures? Ça devrait être pas mal, 10 heures de fonctionnement. Et toi sinon bah, je vais te remettre de quoi faire. T'en remettre. Hein. Je sais pas du tout combien on a besoin. Ou est-ce que je vais. Je me tâte, est-ce que je vais au Tertre des Morts ou est-ce qu'on va à Nouvelle-Asgard? Je ne sais pas. Allez, hop, 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 hop. Et on peut lui en mettre encore 2000 là. Avoir des abeilles avec le miel et la viande, je pense que c'est la meilleure des viandes. Ah, je ne savais pas. Faut voir après quelle viande c'est. Parce que là, c'est épices. J'ai jeté mon sel tout à l'heure. Dessus. Soupe, steak et bœuf. Donc là, œuf, ok. Et steak épicé. Après, là, en fait, il faudrait un asservi dedans, un asservi 4 pour avoir des recettes supplémentaires qui ferait que ben oh putain il y avait ça aussi viande séchée en fait la prochaine fois qu'on a du sel faut qu'on le garde ouais qui donne des recettes supplémentaires en fait ou alors faut apprendre les recettes les griffes peut-être les poser aussi je crois qu'il faut des griffes à un moment ou à un autre donc hop ça va aller là dedans ok donc là du coup je suis pas mal je suis équipé j'ai des armes Ouais, tu me disais donc le miel, mais alors du coup la recette, si elle est cachée, donc faut sans doute que j'ai, faut sans doute que je trouve quelque chose pour la fabriquer, parce que du coup je n'ai pas du tout la recette. Steak miel dans la vraie vie. Je t'avoue, j'ai jamais essayé, mais bon bah, pourquoi être diverti de une deuxième? Non, dans le niveau 2. Ok, alors, on va aller à Nouvelle-Asgard faire un tour. Ah putain, juste. De toute façon, je sais pas récupérer le métal stellaire, c'est pas moi qui m'en occupe. Il faut peut-être que j'apprenne.
Ok, alors déjà dans la roue. Dans la roue, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, bon, c'est pas grave. Hop, on va aller chercher. Donc là, un autre avant-poste, donc qui nous sert justement ici à aller chercher des esclaves. Viande améliorée et miel. Et alors qu'est-ce que t'appelles viande améliorée? C'est une viande qu'en fait qui est déjà cuisinée, non? D'accord. Allez, ça dégage. Bonjour. Faire ça à mon pote. Ah putain, j'ai plus loin. Barre d'acier, ça on ramasse. Alors là, ici, le problème, c'est que dans cette zone, en fait, tu fais 4 pas et t'en as tiré 50. Et c'est vraiment chiant. On voit lui. Petite résistance relativement faible. Nice. Ok, ça dégage aussi. Et oui, mais comme tu dis, viande exotique et miel, mais quand je regarde dans mes recettes, en fait, j'ai rien. C'est quoi ça? C'est une artiste? Bon, écoutez. Hein, on va ramasser ça, hein. Voilà. Allez, ça part en esclavagisme. Ouais, parce qu'on compte mettre des danseuses un peu partout, hein. Oui, on sera... dans un palais clairement clairement quoi. J'ai pas de je peux pas trop vous dire autre chose en fait. Voilà. Après bon, par défaut, ça serait bien que je ramène des esclaves utiles et pas des petites meufs, vous voyez. Déçu lui. Bon, quel côté on va? On va aller par là peut-être. Voilà, j'ai eu limite peur quoi. Sans compter sa déception. Alchi 3, on a déjà. Forgeron 1. Voilà. Alors, du coup, ça, je ramasse, on fera du recyclage. Voilà. Pareil. Et ça, hop, ça fera des fioles. Voilà. Ah. Je pense qu'il y avait quelqu'un pour cuisiner. Ouais, mais en fait, je cherche que des cuisiniers. En fait, là où je suis rendu, je veux plus de cuisinier 1 ou 2. Cuisinier 3 mini. Ah, je crois qu'on a déjà un cuisinier en plus, hein. Je crois qu'on en avait déjà un. Enfin, hier en tout cas, j'en ai ramassé un. Qui es-tu? Que veux-tu? C'est un artiste. Mais bon. Je suis sexiste. C'est un artiste homme, j'en veux pas. Hop.
Teinture, je prends les teintures, je les prends toutes parce qu'après j'aime bien pimper mes tenues. C'est important le style. Okay, donc là on a du prêt. Oh! Merde, putain, à chaque fois je ne retiens pas de mes erreurs. Et voilà, là je me fais gangbang. Ouais, je me fais carrément gangbang là. Oh, enfin, ça suffit là. Bon, et foutez-moi la peine là. Pas croyable ça. Ah putain, plus je suis enseigne beaucoup trop quoi. Tranquille! Morsure du froid. Toi, tu commences à me saouler. Voilà! Cette posture improbable. Alors attends, parce que du coup, hop, oh là, ça lâche des trucs dans tous les sens. Je vais être full là dans pas longtemps, donc qu'est-ce que je fais? J'en trouve un et je le ramène ou? Le problème c'est que si j'en trouve pas, eh ben j'en ai pas. Bonjour. Voilà. Déjà un prêtre, d'où t'as vu que ça faisait des trucs comme ça là? Aiguillette de crocodile épicé. Terme de régène, ça donne quoi? Ah merde, j'ai pas cliqué sur le bon. Oh le con. Bonjour, personne. Ah merde, du coup je suis trop lourd maintenant. Si je pose ça. Barre de fer. Hop, allez, je vais poser tout ça, on revient tout de suite. Qu'est-ce que je fais là? Par où je passe là? Waouh, je vais me bugger. Je vais me coincer dans le décor après, je vais être content. Putain, je vais revenir, ils auront tous repop là, ça va être un cercle infernal. Ouais, peut-être aussi qu'on pense à mettre l'hôtel de Mitra pour récupérer les trucs, enfin les soupes là, les trucs qui rendent pas mal de vie. Pour un donjon, ça serait pas trop mal. Mais pas tout. Hop, ça. On va mettre 18. Un peu plus que. Non. Ah non. Laisse-moi en 20. C'est pas mal. Ce petit café froid. Sûrement pas un délice. Ouais, pour éviter de retomber sur les mêmes, je vais essayer de continuer mon petite ronde. Faire le tour et ensuite revenir au centre. Il m'a vu, mais. Je l'ai vu avant.
Ça, il a senti passer, je crois. Bonjour. Nobody. Il faut vraiment que je remette la. J'arrive à l'unité. Voilà. Alors, après, il faudrait peut-être que j'aille dans les paramètres. Où est-ce que je vais? Bon, j'ai bien mal si je retombe sur le débit où ils ont repop. Oh, j'aurais peut-être pu aller poser tout ce que j'avais sur moi tant qu'à faire. Oh là là, je suis débile. Tu fais le malin, mais. Mais c'est tout, quoi. T'as juste fait le malin. Hop, ça. Bon, on prend tout, hein. Il est où le deuxième? Bah, je suis marché dessus. Désolé. Hop. Des trucs ici ou pas? Non, on n'a rien ici non plus. Bon, je. Ah, vous êtes beaucoup, là. Quel con. Pas bon. Hop, on ramasse tout ça. Est-ce que toi t'as des trucs intéressants? Oui, t'as des trucs intéressants. Repas durable. Qui c'est qui a fait ça? C'est bête. On a quoi ici? Alchi 2. Et toi t'es quoi? Oh, je vois pas. Alchi 2 aussi. Dommage. C'est dommage. Pas trop de chance hein, sur les Alchi. J'arrive pas à trouver un Alchi 4 du long. On en avait un sur une autre base, enfin à côté du Tertre des Morts. Et bah un jour on y est allé, il était plus là. Donc soit quelqu'un nous l'a carotte parce qu'on avait effectivement pas cloisonné à 100%, soit je sais pas du tout où est-ce qu'il a foutu le camp. Et là c'est pas cool. Bonjour. Ils sont sérieux. Des fois là-bas, je suis tout là-bas. Vous voyez là où il y a mon point. Je suis tout là-bas. J'ai même pas mis un pied. Ils sont. En même temps, bon, le seul truc qui peut mettre de la pression, c'est de me dire en fait, faut que je fasse gaffe de pas mourir parce que bon, c'est chiant quoi. Charpentier 2. Non, on a dit plus, minimum 3. Toi, en même temps. Un peu fou, toi. Hein. Ouais, bon. Ouais, si t'avais autre chose à me dire. Éventuellement. Quoi? J'ai perdu de la vie en le mangeant. Je recommence? Non, j'ai pas perdu de vie. J'ai juste halluciné. Oui, pas mal de légendaires, c'est dans la zone des rhinos. Personnage. Perso légendaire. Dans la zone des rhinos, tu veux dire.
Ici, là. Ah putain, on voit pas mon curseur. Hop, là, là-dedans, là. Dans cette zone où il y a l'espèce de. Dire un safari à moitié d'ailleurs. Qu'est-ce que vous êtes, vous? Combattant, donc ça m'intéresse pas trop. Voilà. Oui, un grand vierge. Alors après, si tu veux, en fait, j'utilise. Je suis sur conalexilmap.com et en fait, c'est une map interactive qui regroupe l'emplacement en fait de ce que tu veux. Enfin, ça, tout est répertorié dedans. Et les zones en fait les plus rentables, c'est clairement là où je suis. En fait, c'est vraiment un ramassis de nommés, hein, si jamais t'as de la chance. Enfin, si t'as de la chance, hein, parce que. C'est pas parce que c'est un lieu où les nommés peuvent être présents qu'ils y seront. Ta mère? Toi, t'es quoi, toi? Dis-moi ce que t'es. Combattant 1. Ok, merde. Hop. Ah là, ça dégage. Hop, là-dedans. Goudron, bon, on ramasse tout en fait, je suis con. Mamie. Désolé, il est l'heure pour moi de te décevoir. T'es quoi toi? Charpentier. Ouais. Ça sert strictement à rien. Charpentier, autant ne pas en avoir. Merde. Ah, je pensais que ça l'aurait fait. Oh le bon! Attendez que je trouve mon premier louveteau. Attendez que je trouve. Du vin? J'ai pas une quête, je crois, où il faut que je prenne du vin. Un truc comme ça. Je crois que dans les. Dans le périple de ce jeu, bah à un moment donné, faut que tu prennes du vin. Voilà, c'est comme ça. Ok, donc au début ça repop. Donc ça sert à rien qu'on y aille pour l'instant. Je vois absolument rien. J'attaque vraiment au ciblage automatique. Hein. Voilà, 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 waouh. Ouais, je suis mort, 100% je suis mort. Voilà. Ah ouais, j'éclaire une fois, ils sont deux, je rééclaire une autre fois, ils sont 72. C'est pas cool. Bon. Déjà, est-ce qu'il serait pas le temps pour moi d'aller chercher un cabre? Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Les barres d'acier, j'en ai peut-être un petit peu trop maintenant. Les cuirs épais, il faudrait peut-être s'en débarrasser aussi un petit peu. Les ficelles, j'en ai pas spécialement besoin non plus. Ok, bon. Pour l'instant, du coup, tout va bien. Alors. Mais j'ai vraiment perdu de la vie en fait, hein. Je viens de manger le truc durable là, à droite, en bas à droite et. Et clairement, je perds la live. Ok, allez, je reviens, je vais me prendre un petit kawa. Hop, il est l'heure. Me revoici, alors voilà. Pour. Je sais pas si on fait une deuxième session ou pas. Hop, bah non, il y a les villages au-dessus, on va faire les villages qui sont au-dessus de ma position. Hop, allez, let's go. Je sais pas si je chasserai pas les mammouths qui sont sur la route aussi, parce que. J'ai besoin d'un peu de peau d'éléphant. Et monte. T'es obligé d'escalader ça, sérieux? PTDR. J'entends le mammouth. On va mourir. Ah, sauf si je meurs avant. Petit dérapage contrôlé. En même temps, le mammouth a tué. Du moment qu'il vous tue pas avant. Ce qui peut vite arriver en soi. Hop là!
Et qui sait qui a rien pour le... Bye bye. Okay. De toute façon, j'ai rien pour ramasser la viande. En tout cas, Barbarossa, j'irai voir la zone que tu me dis. Sans souci, hein, j'ai... Hop, 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 hop. Putain, à chaque fois, c'est la même histoire. J'essaie d'en aggro 1, j'en aggro 70, là. Qu'est-ce que t'es, toi? Un forgeron... Forgeron 3. J'en ai aucune idée de s'il m'en faut un ou pas. Alors, dans le doute... Dans le doute, on va le prendre. Voilà. Comment assommer quelqu'un? C'est facile. Vous le ciblez. Vous équipez de votre massue. Et puis, vous faites autre chose avec la main gauche. Et la main droite, en fait, vous faites clic, 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 clic. Une fois ce dernier assommé, reprenez vos activités. Alors, toi, t'as quoi? T'as des... Oh, t'as des trucs pas mal sur toi. Hop, on va tout prendre. J'ai le son qui me dit que... Toi, t'es quoi, toi? Oh, charpentier 1. Ça sert à rien. C'est dommage, en fait, dans ce jeu, il y a tellement une discrimination envers les level 1. C'est dommage, hein. Moi, je voulais pas, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. Hop, un danseur. Enfin, un ex-danseur, après tout, hein. Hop, ok. Donc, la zone, elle est... Nettoyer en soi, oui, nettoyer, plus personne. Où il est mon forgeron là? Il est là. Après, je dis, je. De toute façon, j'en ai même pas besoin. Hein. Mais bon, dans le doute, je le prends, au pire, je l'enlèverai. Puis on remettra dans la poubelle. La pâte ici, c'est parce que j'ai vu hier une personne qui y avait pas mal de légendaires. Ah ouais, bah, peut-être après, il y a eu de la chance parce qu'en fait, le. Il pop en fait un. Wesh. Il pop en fait à un certain pourcentage de chance, hein, si tu veux, t'as des persos qui apparaissent en fait de manière pas aléatoire mais presque. Et sur l'apparition, il y a une chance en fait qu'il vienne. Peut-être un couteau dépecé. Qu'il devienne un légendaire quoi. C'est. Voilà, c'est. T'as une chance ou t'as pas de chance. Ça, ça, santège, s'impose. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas de couteau dépecé là-dedans. Je n'ai pas de couteau dépecé là-dedans. Voilà. Donc, du coup, ouais, ça se trouve, il a eu de la chatte et bah, il y est allé vraiment au bon moment. Hein, parce que dans mes expériences passées, en fait, sur Conan, la Nouvelle Asgard, j'en ai eu des légendaires en fait qui est vraiment. Mais dans tous les sens, hein, ça se dire, waouh, putain, c'est trop dommage, il y en a un de plus, j'en ai plus besoin, quoi. Je vais pas les récupérer pour me dire que j'en ai un. Donc bon, c'est comme ça. Donc bon, bah, on tente, hein, tu vois, ici, il y a des spots potentiels. Ah, si, les légendaires n'apparaissent pas forcément partout. Alors attends, ce que je vais faire, je me mets là comme ça. Location, alors, tu sens ma carte interactive juste à côté, et. Écoute. Dans le désert, dans le village, je ne vois qu'un peuple de porteurs et de forgerons. Donc tu vois, c'est pas, c'est, pour moi, c'est pas un spot qui est rentable. Par contre, à droite, donc je te montre tout de suite sur la map. Donc là ici, donc tu vois, le pop il est pas ouf. Par contre, cet îlot qui a au milieu là, l'espèce de deuil qu'on a là, là, bah d'ailleurs on voit ma souris. Et ben là-dedans, il y a une quantité monstrueuse de nommés. Donc les esclaves légendaires, donc ce que tu appelles légendaires ou niveau 4, donc on les appelle les nommés, donc là-dedans il y en a une grosse grosse quantité. En spot potentiellement intéressant, tu as. Alors je le déconseille, mais tu as là-dedans, tu vois ici, donc c'est là où se trouve Conan d'ailleurs, mais je te déconseille de le faire parce que bon, c'est. Tu te mettrais du monde à dos. Là-dedans, il y en a un petit peu. Ensuite, tu as en spot hyper rentable là, ici aussi. Cet îlot là aussi. Attends, je vérifie, mais ouais, si c'est ça. Tu as donc ensuite là où je suis, la Nouvelle Asgard. Donc là, il y en a énormément. Et enfin, le Tertre des Morts qui en contient aussi une bonne flopée. Bon, après, bon, t'en as de manière. Tu peux en trouver de manière aléatoire à certains endroits, mais bon, voilà. Okay.
Le fameux bateau avec toutes les voiles. Le bateau avec toutes les voiles. Tu parles de. Excuse-moi, parce qu'en fait, comme il y a un décalage entre le chat, en fait, entre ce que tu vois et moi, c'est vrai que. Des fois, c'est pas compliqué, c'est compliqué, mais tu parles. Est-ce que tu parles de cet endroit-là? Parce que si oui, je ne sais pas. Je n'y suis pas encore allé, en fait. Dans mon ancienne partie, je n'y étais jamais allé, parce que j'ai jamais eu besoin, en fait. Parce que disons que, tu vois, ma base principale, donc, elle est là. J'ai un avant-poste donc ici avec une roue de la souffrance, j'en ai un là, j'en ai un autre ici, donc pour le poisson. Et donc bah, j'ai jamais eu du coup l'utilité d'aller là. Là ici, bon, y a, je crois qu'il y a un truc à faire là-dedans. Pareil ici avec l'œil et le poiscaille. Là c'est pareil, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, je crois, mais faut que je songe à y aller. Parce qu'en fait, t'as un spot d'esclaves nommés aléatoires. Ah d'accord, ok, à la galère noire. Si, en fait, ça ressemble un peu à un bateau. T'as plein de toiles, en fait, dans tous les sens de pillards, en fait. Mais c'est ce spot-là, si à un moment donné t'as l'occasion d'y aller, vas-y, c'est franchement fantastique. Tu as d'ailleurs fréquemment à la pointe ici, vraiment la pointe, un garde-chiourme nommé qui apparaît très très souvent. Vraiment, j'ai dû pas le voir. Une ou deux fois quoi, mais souvent il y était, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, ensuite, donc on reprend notre ascension, direction, les nommés, motherfucker. Bonjour. Alors toi t'es quoi? Ça serait bien que ce soit un forgeron nommé. Forgeron 1, bah. Encore une fois, rip, parce que. Comme il est, il va pas être utile. Hep, 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 hep. Combattant 3, bon, c'est pareil, hein, les combattants 3, y en a vraiment partout, donc ça sert à rien de les ramasser, je trouve. Donc là, ici, normalement, on a. Il y a encore du monde, normalement, il n'y a pas que ces deux-là. Voilà, il y a. Là-bas, je crois que c'est un danseur. C'est exactement ça. Non, c'est un garde-chambre 3, j'ai déjà ce qu'il faut. J'ai largement ce qu'il faut, ça sert strictement à rien de le ramasser pour moi. Ensuite, tu vois, ça c'est un combattant. Un. Useless. Et le porteur 1 qui n'a pas fait long feu. Donc on ramasse ça, on ramasse, on ne l'ouvre pas, parce que ça peut rapporter d'ailleurs extraordinaire ces petites boîtes là. Celui avec qui je joue sur le serveur là, il en a ouvert une. Ça lui a filé 750 bases alchimiques. 750. Insane. Vraiment insane. On était. Waouh. Extraordinaire. Génial. Voilà. Bon, donc du coup. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu de chance du tout. Ah mince, j'ai pas ma pioche avec moi. C'est dommage. Faut aussi que je check. Bah tu sais quoi, je vais te faire plaisir, on va aller à la galère noire. Qu'est-ce que je fais? Moi j'ai rien à prendre là. On va aller à la galère noire, attends, juste check un truc. Donc là il y a le Doline. Parce qu'en fait moi j'ai pas encore la map monde pour me téléporter, donc du coup de là faut que j'aille ici. Et ensuite j'ai accès. Donc j'ai l'obélisque de Doline. Donc on va aller faire un tour à la galère noire. Si je te dis pas de conneries c'est là. Hein. Non, si, si, c'est là, c'est là, c'est sûr à 100%. Donc attends, on va ramener tout le merdier que j'y ai posé depuis tout à l'heure. Hop, je sais, je suis full, c'est normal. Tiens, là, ça je le laisse. L'achète en truc, on va la laisser. Ça prend les branches, je vais peut-être les laisser, je sais pas pourquoi, mais je vais les laisser. La ficelle, pareil. Prends. On ramasse ça aussi. Ok, alors attends, déjà ça je la pose. Voilà. Donc du coup, je pose tout à la base. Et on va aller faire un tour à la galère noire. Parce que. Bon, après la galère noire, le problème c'est que je peux pas ramener de. Je peux pas les ramener les esclaves. Ah, du coup, c'est peut-être pas une super super bonne idée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis câblé comme ça là? Oh, hey, oh, oh. Bah, je vais quand même y aller pour te montrer. Juste pour au moins pour te montrer en fait
que c'est pas mal comme spot. Après, c'est un spot de bas niveau, entre guillemets, parce que les mecs qui sont dedans, tu vois, c'est une zone qui est relativement VL, donc ça va encore. Alors, attends, déjà. Tac, 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 tac. Hop. Hop. On va mettre ça. Tranchoir. Hop, hop. Ça aussi. Tac. Ok, ça c'est bon. Donc, du coup, démantèlement en cours. J'ai quoi sur moi? J'ai de la peau. Attends. La peau d'éléphant qu'il faut absolument garder. La peau d'ours, ça par contre, ça tape. Ici. Barre d'acier, on va en mettre 131 qu'on va transformer en barre d'acier, qui d'ailleurs on a beaucoup en prépa. Ça, la peau d'ours aussi, on s'en fout. Ok. On va fabriquer. Toi, ça dit quoi? Hop là, tout ce qu'il a. Parfait. On va mettre à fabriquer. Ah bah tiens, lui il fait pas sa fabrication. Oh bien. C'est pas bien. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut lui filer? Donc, toi, t'es déjà en train de bosser. Ok. Ce que je vais faire, c'est que toi, je vais te filer. On va te reprendre ça. Et la place, tu ne vas faire que ça. Toi, par contre, tu vas faire que ça. Et hop, toi, je te reprends. Si. Et la place, on va le mettre là-dedans. Les pierres, les briques, on va les mettre là-dedans. J'ai quoi à faire? Attends, je me paume un peu dans tout ce qu'il y a à faire, dans toutes ces ressources. C'est insane. Ok, donc là on a de quoi faire des fioles. Bon, 5 cailloux, c'est bon, on va pas mourir. Les 35 qui sont là. Ah merde. Est-ce qu'il faudrait pas mettre de la glace là-dedans, là, à tout hasard? J'ai eu 500 pierres. J'ai l'impression qu'il faut de la glace. Je vais piquer un peu de. Ah, mais attends, c'est de la glace noire. Hein? Et que là, j'allais pendant des ténèbres extérieures. Je vais en prendre 50. On va en prendre 50, je vais mettre là-dedans, c'est de la glace. Hein. Et normalement, expire dans. Ah, mais il y a quand même une expiration qui est là, quoi. Bon, bah écoute, ma foi, je sais pas du tout. Hop, voilà, ça là-dedans. Toi, les pièces d'or, ça dégage en poudre. Ici, la soie. Le vin, je sais pas du tout. Je crois qu'il faut que j'utilise. Non? Ah, boire jusqu'à devenir totalement saoul. Voilà, intoxication alcoolique. Nice. Bon, c'est bien ce qui me semblait, hein, une partie du périple qui comportait. Cure épais. Nice. Ah, ça flingue toute l'endurance, quoi. De la vraie glace, je sais pas où est-ce que je peux la trouver. Je crois pas que j'ai de vraie glace. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'attends que c'était fait. Attends, c'est quoi? Regarde, non, oui,
Hop là, voilà, moi je me soigne comme ça, meilleure pharmacie au monde. Voilà. Ok. Ah merde, putain, attends, je vais reprendre un peu de viande parce que là je suis à 17, c'est léger. Si je lance pas la fabrication, ça ne va pas se faire tout seul. On va prendre 15, je sais pas, 15, on dit. Hop, voilà, c'est pas mal. Allez, hop, let's go to la map monde qu'on avait trouvé un peu au nord. Voilà. Là maintenant, faut réussir à courir sans mourir parce que du coup, sur la route, il y a divers bestioles qui sont relativement dangereuses. Sans compter les dents de sabre qui, eux, sont relativement agressifs, qui te... Évidemment. Ok, bon, un dent de sabre qui se bat avec un loup blanc. Donc les loups blancs, je rappelle, c'est le boss. C'est les baby boss des... Je vais y arriver. Des loups. Donc du coup, on évite. Les dents de sabre, c'est pareil, si t'envoies un gris un jour, je le laisse tranquille. Ok. Ok, alors, deux sur ma gueule, c'est cool. Plus deux autres. Très bien, on va aller par là. Encore un. C'est légèrement la merde. Faut que j'aille par là. Je l'ai vu de près. Je crois que c'est là, ici. Mais laisse-moi tranquille. Ah, je suis un peu d'endurance en plus. Il va me tataner. M'a tataner. C'est pas un boss, hein. Clairement, c'est pas un boss. Vu la vie qu'il m'a enlevé. Les boss, j'en monte au courant. Hein, tu... Ah, bah tiens. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Il était gris. Il était gris. Donc ça, c'en était un. Donc ça, tu le... Tu lui fous la paix. Sauf si, je sais pas où je vais là. Oh la vache, il me suit. Technique ultime. Non. Oh le seum. Oh le seum. J'ai pas enlevé ma course auto. Je n'ai pas enlevé ma course auto. Je pense qu'à un moment donné, il va arrêter de me suivre. Hop, oh, la map monde, elle est là-haut. Il vient, il suffit de courir très très vite jusqu'à là-bas. Oh la vache, oh la vie qui m'a enlevé! Là, il me retouche, je suis mort. Hein. On va essayer de se heal en attendant. Si j'arrive à passer, à un moment donné, il y a une petite crevasse. Si j'arrive à la passer. On est. Oh la vache! Ouf! Il arrive, putain, mais fous-moi la paix! Je vais me keblo là comme un con. Eh bien. Je suis pas mort, je suis pas mort! Donc du coup normalement je pense qu'il a abandonné. De toute façon il est juste là. Je suis con. On se re-heal. Je sais pas où il est. Putain, ça a jamais été aussi compliqué d'aller chercher juste... Oui. Il est là. Allez. Ça dégage. Il faut enculer. Alors. Il faut pas tomber. Pas tomber. Alors l'obélisque. Pense que la glace, tu la récupères en cassant les pierres dans la neige. Ouais, bah oui, il faut. C'est. T'as tout à fait raison. Je crois que c'est deux lignes, ça. Hein. Au pire, on verra bien. Mais oui, t'as tout à fait raison. Il y a des blocs de glace, en fait, simplement. Mais disons que en fait dans l'immédiat bah j'ai pas envie d'en récupérer.
Ok, allez, galère noire, nous voici, nous voilà. Hop, on va se heal un peu. Du coup, je suis habillé en chaud pour résister au froid. Alors, est-ce que ça serait le truc en fou? Voilà, les bestioles, clairement, on ne les craint pas spécialement. Hein. Aucune chance qu'elles nous puissent nous blesser de manière conséquente. Preuve. Ah, voilà, dégage. Alors, attends, je passe. Je peux simplement essayer de grimper ça là. Ah, ah la vache. Ah, ça fait mal ça. Nice. Tous ces efforts réduits à néant. Bon, bah la galère noire, ça va être pour plus tard. Parce que quand le jeu veut pas, bah il veut pas, hein. Faut pas forcer le destin. À la place, on va aller au Tertre des Morts, qui est pas du tout à côté, mais qui est relativement cool à visiter. Puis surtout que ça fait un petit moment que j'y suis pas allé. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est un autre dent de sabre. Qui lui est normal, qui se fait fight par un loup. Hop. Et nous allons courir par là. À cesser de guérir. Pourquoi? Pourquoi je cesse de guérir? Je suis quand même extrêmement fort. Donc je suis en très froid. Il y en a partout. C'est infect. C'est vraiment infect. Tiens, un attroupement là qui me cueille. J'aurais rien fait moi en plus. Hein. Oh putain, encore un loup là. Ah, je sais ma vie, j'ai vu. Ils me mettent le seum. Je sais qui je suis derrière moi, hein. Je le sais, mais bon. Je sais aussi que si je me retourne, une croque. J'ai quand même envie de voir. Attends, hé. Puisque ça commence à bien faire. Oh. Ce genre de truc là qui est bien énervant aussi, c'est quand tu sais, il te tape, mais il se relaie pour te taper. Du coup, t'es en animation, tu peux rien faire. Ça se passe extrêmement mal. Donc, c'est ici qu'on nous a volé un Alchicat, je crois. Je vois qu'on voit que cette explication. Hein. Est-ce qu'il y a du monde dedans ou pas? Il n'y a personne. Là-dedans, il n'y a personne non plus. Ok, donc là, il y a des choses à remonter. Un peu de la merde, mais. Hop. Là. Maintenant, il y a ce qu'il faut. Allez, on va casser des bouches. C'est quoi, c'est du garde 1 ou 2. Wesh. Le mec, il est pas d'accord, quoi. Après, ici, c'est beaucoup plus haut level hein, que la nouvelle Asgard. Déjà, les items deviennent épiques pour la plupart. En termes de dégâts. C'est pareil, t'es au courant. Ah oui, ici aussi il y a les squelettes bleus. Les squelettes bleus que quand tu les tues, tu les dépèces, ça te fait une espèce de poudre. Qui sert à crafter les torches bleues. C'est comme ça qu'on les crée d'ailleurs. Bon, je dis, je mentionne après.
On est déjà au courant, c'est... Oh, mais regarde ça! Mais... Ils arrivent à 1 milliard! Faiseur d'armure 3. On va récupérer ça. Ça peut être utile. Surtout qu'ils sont assez... les armuriers, je crois qu'ils sont assez... polyvalents, en fait, dans leur emplacement. Toi, t'es quoi, toi? Forgeron 1. On s'en bat les steaks. Attends. Mignon. Hop, là, t'es mort. Ok, on ramasse. Alors, couteau à dépouiller en acier, je vais le prendre parce que du coup, j'en ai jamais sur moi. Sans connaissance du coup, hop. Faudra aussi qu'on clôture cet enclos parce que j'ai l'impression qu'on peut nous voler. Voilà. Alors, ça c'est une moyenne roue de la souffrance, donc bon. Hop, là où il y a du monde. Merde. J'y vais au point. Ok. Ça, c'est quoi ça? Forgeron 2. Pas d'utilité. Alors toi, peut-être qu'on va te garder. Voilà. Elle est tombée un peu loin, mais c'est pas grave. Ça me fait trop rire. Ça me fait beaucoup trop rire quand les mecs ils s'envolent là quand tu cliques dessus. Là. Deuxième. Après j'irai checker si jamais c'était vraiment utile ou pas, mais. Alors, on va inspecter l'intérieur. Tanner, qu'est-ce que t'es, toi? Tanner 1. Deux Tanner 1. Ok, c'est bon, ça va. Là, hop, un lingot d'acier durci, on ramasse aussi. Hop, je crois qu'il y a normalement d'autres personnes ici, non? Ah, c'est bien, il y a d'autres personnes. Ça, c'est que du combattant. On élimine. Sur le champ, les seuls combattants qui sont ramassés en soi, franchement, c'est les berserkers. Hein. Alors, là, t'as vu, combattant 2, la vie qui m'a enlevé. Vache, intérêt à faire gaffe avec eux. Hein. Généralement, un combattant 3 là-dedans. Ouais, tu le sais. T'as fait une petite bise et tu te souviens bien ensuite que t'es mort. Pareil, les archers, ceux qui sont ramassés, c'est les archers 4. Hein. Sinon, en soi, ils servent à rien. Hein. Ils font pas de dégâts. Ils sont pas de résistance. Là, tu vois, archer 3. Non, c'est un archer 2. Alors, archer 2 qui meurt à une vitesse... fulgurante. On va défoncer tous les archers histoire de pas s'en prendre une dans le cul. Voilà. Tac, teinture en trop. Alors là, par ici, ça arrive qu'il y ait du nommé. J'en ai déjà récupéré là-dedans. Bah tiens. Combattant. Ah par contre, ça va faire mal. Hein. Un combattant 4. Surtout que il m'enlève beaucoup de vie par rapport à ce que moi j'arrive à lui enlever.
À moins que j'arrive à le Keblo. Voilà. Le top, c'est de les Keblo contre un mur. Généralement, ils ont pas le temps de faire leur animation. Bon. Sauf quand tu viens d'en parler, ou là, bon, bah, effectivement, le jeu te dit. Après, j'ai l'avantage. Non, j'ai pas d'avantage parce que du coup, si je repop d'assez loin. Ah là, le problème, c'est que je suis obligé de faire des roulades dans tous les sens. J'aurais bien aimé avoir de quoi me régénérer ma vie bien plus haut que ça. Mais je ne l'ai pas. Je suis obligé de cramer de la bouffe, de ouf. À cesser de guérir. C'est pas bon, hein. On va se heal et puis on va manger, se heal et tourner en rond. Hein. C'est dur. T'as qu'à la moitié de son truc, quoi. Oh là là. Elle en a tellement rien à foutre. Oh putain, puis je meurs. Elle en a tellement rien à foutre de mes coups. Tapis là, faut que je revienne de loin, quoi. Je suis obligé de revenir de ma base. J'ai pas le choix. Puis en plus, comme ma base, le lit il est buggé, ça me pète les burnes. Faut que je fasse quelque chose là d'ailleurs pour le lit parce que. Waouh, c'est relou. Hop, envoyer l'inventaire, 4, je vais mettre. Désolé, Kev, c'est juste incroyable comme c'est relou, donc du coup, ça va aller là. Attends. Hop, faut le lier, faut pas l'oublier. Et on va recourir très très rapidement pour aller chercher. Parce que je vois, on va les retomber dessus. Ah, j'ai pas pris de bouffe. Ah là, il m'en faut, là, il m'en faut. Faut que je trouve aussi de quoi avoir de la bouffe plus nourrissante que ça parce que. Oh. Non, rien, parce que du coup, sa barre va remonter gentiment. Hein. Forcément, elle va pas attendre. Hein. C'est opération commando, on retourne là-bas et on réessaye de l'assommer, même si c'est très très dur. J'ai qu'une armure classique, hein, c'est pas une armure épique ou quoi, alors c'est assez difficile, hein, les coups qu'elle me met, je les sens un petit peu trop d'ailleurs. Avec la chatte que j'ai, il y a toutes les bêtes du monde qui vont me marcher dessus. Oh là là, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non! Voilà. Bon, alors maintenant, faut réussir à revenir avec le plein de vie. Hein. Les loups, si vous pouvez ne pas me faire de mal. Même s'il a essayé, clairement. Là, le pire qui pourrait arriver, c'est que tous les mecs ils zéro pop. Et du coup, que je sois obligé de. Que je sois obligé de tout recommencer en fait. Bah, il a disparu. Sachant qu'ici, on peut pas assez vite quand même.
Ça m'embêterait un peu. Ah là là. Ah, ah non, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, je les vois s'écrouler. Faut que ça reste comme ça. J'espère juste que sa barre de vie, elle a pas trop remonté. Moi, je vais plus safe, je vais mettre plus de temps, je pense, entre chaque attaque. Là, je vais rentrer dedans. Ah non, encore rien à foutre, c'est ignoble. Je vais en faire tous les trois attaques. Ça me paraît pas assez. Trop gourmand. Il est cupide, il est cupide, il va mourir. Je parle évidemment de moi. Hein. Je suis beaucoup trop cupide. J'essaie à tout prix de la finir alors parce qu'elle est low. Sauf qu'on sait tout ce qui va se passer. Ça nous arrive dans tous les jeux du monde. On va laisser porter une attaque. Voilà, par contre, on peut y aller. Voilà. Allez. Ça dégage. Ça va. Deux tentatives. C'est pas trop trop mal encore. Ça reste rentable. Bon, comme je disais, celui-là à chaque fois. Enfin, souvent, j'ai souvent trouvé un. Quelle que soit d'ailleurs la classe, hein, j'ai souvent trouvé un nommé là-dedans. Allez, hop là, un combattant. Pour les purges, ça sera parfait. Ensuite, j'aimerais bien trouver un cuisinier 4, mais plutôt avant tout forgeron, fondeur et alchi 4. Là, si je tombe sur un fondeur, ça serait parfait. Parce qu'on a besoin d'un fondeur, on a un des trois fourneaux qui est pas occupé. Tout ce qui est fondeur 2 et tout, si on pouvait éviter. Puisque c'est nul à chier. Ils ont pas de limite, hein, vraiment. Merde, on dirait que j'ai fait exprès de me la prendre. Il fait excessivement mal, je trouve, pour un combattant 2. Et là-dedans, il y en a aussi un ou deux. Qu'est-ce que t'es, toi? Pourquoi? Je sais pas ce que c'est. Ok, c'est un or. Pourquoi je fais ça alors qu'il sert à rien? Il suffit de le tuer. C'est un cuisinier. Mais ça ne servit à rien. Alors, du verre, on va. Hop là, cuir durci, ça faut prendre ça. Ça c'est important. Ça sert pour les très grosses armures. Et alors. Là, on va arriver. Là-bas, c'est la fin des haricots. Hein, ils sont à 1 milliard. Bonjour. Ah, ces bugs d'affichage où tu vois sa barre de on va dire de stunabilité au plus bas, mais en fait pas du tout. Donc là bah, du coup ici l'objectif c'est les aggro un par un, c'est impossible. Regarde, t'en as aggro 1, le problème c'est qu'ils sont 40 à vouloir venir sur toi. Et le problème c'est que t'as aussi un berserker là-dedans. Ok, hop là, encore un berserker.
Le problème, c'est qu'ils sont, sont tellement que. C'est que bah, je vais mourir. Hein. Là, je tombe. Je ne meurs pas. Je ne meurs pas. Ah, mon bâtard. Je vais revenir sous dans quelques instants. Bon, est-ce que je vais réussir à escalader ça ou est-ce que j'ai tellement peu d'endurance que ça ne va pas fonctionner? C'est possible. Là, ça me sent pas trop. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Merde, un mec juste là. Merde, j'ai plus de d'endu. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. C'est bien, vas-y. C'est bien, voilà. C'est comme ça qu'on fait. C'est faire. Alors attends, il y en a un qui est resté dans le coin. C'est bien, ils se sont bien mélangés. Merde, mais qu'est-ce que je fais moi? Mais je suis trop con! Ah putain, j'ai encore perdu d'endurance. C'est fou ça, hein? J'apprends pas de mes erreurs. Hop, faut bien se heal. On va tenter de l'armer aussi, hein, écoute. On va ramener tout ça, c'est facile. Tagère, Balek. Ok, il reste un combattant 3 et elle. Me refais pas tomber. Ok, c'est bon, il a pas fait long feu. Hop, ok, très bien. Ah, c'est cette guerre. Ah, putain. Alors le. C'est pareil, eux, faut faire super gaffe. Ils envoient des claques, mais alors. Beaucoup trop claquantes. Allez. Maintenant, si tu avais un. Encore? Et heureusement que je mets les. Que j'enlève la nudité parce que, en vrai. Si on voit une espèce de bandage sur son torse, c'est parce que sinon, alors, elle est vous allez. Oh la vache. C'est beaucoup trop difficile. C'est tellement d'efforts pour si peu. Surtout que j'en ai pas forcément besoin, quoi. Mais bon, comme c'est un nommé, bon, autant le récupérer, hein. Question efficacité, ils ont rien à voir avec le reste. Où tu es? Ah, t'es là. Je crois que c'était ça, hein, la technique, c'était 3 coups et. Et bah non. Elle en a rien à foutre. Non! Ah, ah l'erreur, l'erreur. Tiens, le coffre ici, je sais même pas. C'est pas un peu dangereux ce que je fais là? Ça se trouve, du coup, elle est tombée. Je crois qu'elle est tombée. Ah non. Par contre, c'est peut-être à mon avantage. Peut-être pas. Ça va, ça m'a permis de lui enlever quand même pas mal de sa barre là. Tu as récupéré la guerre. Ouais, je l'ai récupéré la guerrière de tout à l'heure. Heureusement, j'ai réussi. Et là, du coup, j'en ai trouvé une deuxième. J'en ai trouvé une deuxième, je sais pas, c'est tombé du ciel comme ça. Au même endroit où je disais qu'en plus il y avait souvent des. Ah merde!
C'est des endroits en fait où il y a souvent des. Je sais pas pourquoi il y a. Oh la vache! Midlife en deux attaques. Ok, bon, hop, là ça veut dire clairement casse-toi. Alors je me casse, hein, pas de problème. Je suis pas du genre à être. À contester, hein, pas de soucis. Là où j'aurais bien mal, c'est aussi si les mecs ils repopent tous là alors que je suis encore en train de me fight avec elle. Alors là. En fait, ce qu'il faudrait, c'est. Il y a un arc en fait avec une certaine flèche qui te permet d'étourdir à distance. Et je crois qu'en fait le top ça serait tu vois tu grimpes là-haut, tu te mets en sûreté et puis bah tu l'étourdis de loin quoi. Mais ta mère. Ces attaques elles me touchent à tous les coups. Par contre moi. Ah non, moi c'est. C'est compliqué hein. J'ai eu chaud. J'ai plus beaucoup de bouffe en plus. Surtout que je mange pour juste pour me soigner alors. J'arrive pas encore à lire correctement ces enchaînements. Pourquoi elle a cessé de se guérir? C'est pénible ça! Oh la nuit va tomber. Bon, c'est une tempête de sable qui se prépare. L'un ou l'autre, c'est embêtant. En fait, je crois que c'est parce que je loupe mon premier coup. Pas de cupidité. Pas de cupidité, toujours pas. Voilà, en n'étant pas cupide. Eh bien, ça marche beaucoup mieux. Ah bien. Ah d'accord, c'est l'un ou l'autre quoi. Eh ben, à choisir, hein. Allez, deuxième guerrière 4. Difficile. Tant de stress pour si peu. Parce qu'elle me rapporte en soi, elle m'apporte aucun bénéfice. Où est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis allé moi? Oh, je suis trop con. Plus 100% de chance pour qu'on retombe sur tous les mecs du début. Voilà, il y en a un qui vient me dire t'as raison. Bonjour, faites comme si j'étais pas là. En plus, on voit rien. Voilà. Hop, on ferme ça. Alors, du coup, qu'est-ce que. Revenons-en à ce qu'on. On a un petit récup le coffre. C'est vrai que c'est pas bête, j'ai pas été dans le coffre. Après, le coffre, c'est pas un coffre. C'est pas du tout du coffre légendaire. Hein. C'est vraiment. On est sur du coffre plutôt voilà tu vois quoi. D'ailleurs je crois qu'il y a une recette. Il y a une recette là-bas, c'est quoi ça? Press requise Star Metal Tools. Je sais pas ce que c'est. Il y a une recette à l'ouest d'où est-ce que je suis, mais
Il y a un trésor un peu plus haut aussi. Un trésor, mais je sais pas du tout ce qu'il y a. Par contre, il y a une recette à aller récupérer à gauche. Là. On va y aller la chercher. Ah non, non, il fait nuit, il fait nuit. Ah non, allez, je vous déconseille de vous promener ici quand il fait nuit. C'est pas une bonne idée. Ah, mais attends. Autre chose aussi, je suis bientôt full. Si je meurs, faut que je revienne tout chercher ici, quoi. Putain. Ça, j'en tâche. Ça en tâche. Enduit anti-spectre. Enduit aussi pour les morts vivants. Ah, je savais pas ça. Hop, ça, pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Lingots d'argent en plus. Ah, plus de place dans l'inventaire. Nice. Ah oui, c'est vrai que c'est pas des coffres, c'est. Ce sont des caisses en bois. Ouais, j'ai comme envie d'aller voir. Ça serait éventuellement donc. Là. Apparemment. Donc il y a peut-être une entrée. Comment qu'il fait? Il fait bien nuit. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va y aller. J'ai même pas peur. Je sais pas où je vais. J'ai que deux trucs de vie. C'est vraiment du YOLO, quoi. Ah, les fameux spectres. Qui pour le coup eux sont désavantagés dans le noir puisqu'on les voit relativement bien. Ah merde, ah, évidemment je l'attaque quand j'ai plus d'endurance. Bravo champion. C'est pareil, hein. Ils font assez mal et ils vous mettent de la corruption. Puis après si vous avez un couteau dépecé ou une hache ou quelque chose comme ça, vous les... Oh, bandage curatif, c'est bien ça. Hop, ça y est là. Si vous avez un couteau dépecé. J'ai un couteau dépecé. Voilà, poudre mystique. Le feu mystique, c'est exactement ça dont je parlais. Eh bien, c'est assez intéressant de l'avoir. Faire des petites torches bleues, c'est beaucoup plus joli, hein. C'est quoi tous ces petits points là? Je vois comme du grain dans l'image. Je crois que c'est juste du grain, hein. Toi, tu me fais pas chier. Je sais pas si vous l'avez aussi à l'écran. Si, vous l'avez aussi, je crois, à l'écran. Hein. L'espèce de point blanc dans le noir. C'est pas super joli, hein. Là, je sais pas pourquoi c'est là. Ah, bah attends, c'est un trap. Ça c'est un putain de piège, ça. Si vous le saviez pas, quand vous allez là-dedans, il y a un milliard de squelettes qui pop. Et là, attendez. Le truc, il est. En gros, il est là, là. Vraiment. Non. Pourquoi ma souris est décalée? Je sais pas si vous la voyez en décalé ou pas, mais. Donc, si elle est décalée, elle est ici. Si ma souris n'est pas décalée, c'est plutôt là. Ah, mais j'ai pas envie de me fighter contre tout ça d'un coup, là. Ah, regardez, il rentre dans le sol, les cons. Parce que c'est en vrai, normalement c'est un trap, c'est quand vous passez dessus. Hop là! Petite surprise. Et bien, ah! Donc il y a une entrée de quelque chose. Ok. Donc il y a bien un truc à faire. Sang de démon requis. C'est le sang pour échauffer, le sang. Ah! Bah j'ai bien mal. J'ai bien mal. Parce que le sang de démon, pour l'avoir, il faut... De mémoire, il y a quelques bêtes dans le désert qui en donnent. Espèce de truc là, l'espèce de scorpion bizarre. Et il y a les mecs, quand vous popez là, l'espèce de gollum là, qui vous en donne aussi. Eh ben, on va aller. Je vais récupérer tout ce que j'ai dans mon coffre. Bonjour. Ah, fais comme si j'étais pas là parce que vraiment, je compte vraiment pas. Tu vois quoi.
Non, on va retourner à Nouvelle Asgard. Je suis obligé de farm pour avoir. Pour tenter d'avoir des esclaves. Alors, on va aller là-dedans, on n'a pas été. Tu me suis, toi? Il en a clairement rien à foutre, hein. Oh, tout ce qu'il a! Botte d'escalade. Ouais, bon. Ouais, bon. Bon. Ça sort pas grand chose. Les dragons aussi donnent du sang. Ah bon? Ah, je sais pas. Je sais pas pour les dragons. Quelqu'un vient de m'envoyer un message? On va aller voir là-dedans, juste là-dedans s'il y a personne. Quand il y a R, on dégage. Nouvelle Asgard. Pour en fight 2 d'un coup, le top c'est d'avoir une arme qui fasse plus de dégâts en AoE parce que là vous voyez. C'est vite le bordel, hein. Encore ça va. Je dirais pas que ça se passe mal, mais. Ils donnent pas mal de butins, eux. Si vous êtes en début du jeu, vous êtes en galère, si vous avez votre base juste à côté, donc pour pas revenir de trop loin, bah, je vous invite à leur péter la gueule, parce que là, vous voyez, ils donnent pas mal de choses. Le feu mystique, évidemment, c'est assez rare de l'avoir, mais bon, on tente, hein. Ok, bah ça se fight contre un type. C'est bien. Damn. C'est quoi? Ça marchait? Quoi que ça puisse être, c'est trop tard. Déjà, feu mystique, il est pas d'accord. Hein. Ouais, exactement. De la corruption, c'est pédé. Hein. Donc du coup, faut essayer de, faut avoir déjà une danseuse ou un danseur quelque part. Et puis voilà quoi. Déjà dans un premier temps. Attends, on va rentrer par l'entrée. Voilà, parce que sinon on va passer à côté de ça. Hop, je peux prendre ça. Moi. Ok, il y a du monde là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Oh le bâtard. Ah mais si je m'approche. Il y a tous les mecs à l'intérieur qui vont essayer de me sauter dessus. Là. Je te jure que. Ah tant pis. Ah tant pis. Ça s'est vachement bien passé, je trouve. Combattant ou pas combattant? Faisant d'armure 3. Ça me saoule. Ça me saoule plus. Donc un forgeron juste ici. Forgeron 1. Balek, franchement. Allez, forgeron 1. Même au début, c'est pas très bien, hein. Ok, t'es sur doute, toi. Ouais. Alors. Ici, c'est difficile.
Première fois que j'entends ça. Ah, je m'attendais à ce qu'elle. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse 60 ans de dégâts. Eh bah, tant pis. Tant pis, j'en ai rien à foutre. Attention, ça cause la corruption, tout ça. J'ai plus rien pour me heal, moi. Ah là là. Ah là là. C'est pas grave, ça va le faire. Ça, ok, j'ai pas besoin. En soi, j'ai pas besoin non plus de mon couteau à dépasser, quoi. J'aurais dû le laisser là-bas. Oh bah, j'ai pas pu. Quelle blague, quelle bonne blague. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Oh, c'est que tout le monde est terminé. Ah non, ça dit que ça dit juste que j'ai rien lancé. Oh, mais ça veut dire que t'es en train de manger, j'ai rien lancé non plus. Oh le con! Ah, j'ai vite envie d'y retourner. Oh le con! C'est chiant. Ben voilà, c'est beaucoup mieux. Mais en fait, c'est la hauteur sous plafond qui fait chier ici. Qu'on rehausse au niveau de notre piole. Hop, 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 j'allais encore partir sans prendre de la bouffe là. Ah oh là là, je suis vraiment le pire. Voilà. C'est bon, tu m'as enlevé toute ma corruption, toi. Ah, ça va être bon. Même non trace. Hop, course auto, let's go. Nous ne faisons que passer. J'espère qu'il n'y aura pas les moumoutes là qui vont nous sauter dessus parce que les moumoutes. Chais! En vrai, j'aurais aussi espéré que les loups ils nous attaquent pas non plus. Niveau de pénibilité relativement extrême. Je pensais que je les aurais semés, là, mais non. Mais ils me suivent, hein! Oh putain, encore un. Planqué dans ma base. Tu vois, je vais lancer le truc parce que j'ai rien mis. Je suis sûr comme un con, j'ai rien fait. Comme un débile là. J'étais en train de me dire, si c'est pas drôle, ça serait qu'il rentre dedans. Il entrera pas dedans. Voilà, exactement, j'ai rien lancé. Félicitations. Ah, je peux toucher. Oh. Tu as pas vu ça là. Boom. Hop, ça faut fermer. Et on peut aller au troisième là-bas. Parce que du coup, j'ai pas du tout checké. Ça me. Ouais, je me dis, il y a peut-être des choses là-bas. Bon, ça, on n'a pas mis trop longtemps. Car il se fait 11h48. Bon, je prends une pause vers midi. Bonjour, t'es quoi toi? Archer? Archer 1? Ça se voit, hein, parce qu'à l'épée. Alors, qu'est-ce que t'as? Ça, qu'on va ramasser. Hop! Mmh.
Notre combattant 3 qui est... Bah tiens. Hey. Bonjour. Je me méfie maintenant, hein. Franchement. C'est fun. Bonjour. Il y a quelqu'un? Oh tiens. Un forgeron nommé. Attends. Attendez. 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 Tu vas mourir si tu continues, c'est pas cool. Ça devrait être beaucoup moins dur qu'avec un combattant parce que même s'il envoie 44 coups qui sont relous. On va reprendre un peu de life quand même parce que ah elle oh lui ah oh, putain un combattant 3 ah j'en avais pas envie hein. Elle là-bas là elle fait quoi elle ah c'est ça qui m'a tué. C'est ça qui va me retuer d'ailleurs, on dirait. Putain, mais j'aimerais bien qu'il me foute la paix quoi en fait. Non, 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 non. Ah mais s'il course comme ça en fait c'est chaud parce que... Comment est-ce que je vais faire pour... Ah, tu vois quoi? Quel est ce bruit? Ok, le combattant est parti de son côté. Le forgeron du sien. C'est pas mal, non? Le forgeron qui a disparu. Oh non, me dis pas qu'il est buggé. Ah non, il est là. Ah non, c'est pas lui. Je sais pas où il est passé le forgeron. J'espère qu'il s'est pas buggé dans le décor ou quoi, parce que ça arrive beaucoup trop souvent. Vas-y, en 1v1, là c'est bon. Hein. Ah, à distance. Maintenant, je cherche le forgeron qui je sais même pas où il est passé. Ah bah il est là. Ouais, en soi, ouais, les forgerons, ça passe. Hein. C'est. Bah, disons qu'il fait déjà beaucoup moins mal. Il a pas de stats offensives. Damn. Il est passé au travers du décor. Il est passé au travers du décor. Ah oh, la vache. Oh le seum, j'ai eu c'est le même problème qu'il a eu mon pote. Ah là là, il a eu la même chose. Chais. Tant pis, hein. Qu'est-ce que je dis? Pas chialer, hein. Ça c'est Bibi quand il est mort. Ça, c'est ramassé. Les flèches.
T'as par contre un nommé qui tombe, ça peut être n'importe lequel qui pourrait tomber. Non, c'est que le nommé quoi. Nice. Ouh, bah lui il est riche. Bah lui il est riche. Et de toute façon, je sais pas si je vais peut-être pas retourner là-bas. Hein. Par contre, c'est un putain de spot, ça. Il repop super vite les mecs. Deux types ici. Mais moi je suis choqué de l'efficacité quoi. Me dis pas que t'es. Je sais pas ce que c'est chiant. C'est quoi? C'est un Alchi 2. Ça va rien là. Est-ce que je tenterai pas comme le diable hein, là-bas avant d'arrêter? J'ai envie un peu, hein. Même si c'est, je sais que c'est hard, j'ai envie un peu de tenter. C'est seulement si en fait c'est, bah, pardon. Ce qui est chiant, c'est que l'aggro, elle se fait de manière générale, et du coup, bah, en fait, tu lances une aggro, et bah, tout le monde se ramène sur ta gueule, quoi. Même pas, tu sais, c'est pas chaque perso à une petite zone, quoi. C'est. Non, non, c'est. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on va retenter de faire pareil, hein. C'est de les prendre un par un, c'est de se sauter sur quelque chose. Déjà, toi, hop là. Regarde, faut pas perdre trop de vie pour espérer tomber sur quelqu'un de. Merde. Pire truc. Parce qu'elle met des sacrées cartouches, mine de rien. Voilà. Mac, je l'ai cartouché plus qu'elle ne l'a fait. Et là, c'est un combattant 3. Donc, vas-y, balèque. Voilà, ça claps. Très bien. Pièce contondante adaptée pour une arme. Avancée pour une arme, d'accord. Bon, je vais ramasser. Le coffre, le fameux coffre, du coup. On va y penser, même s'il y a. Voilà, il n'y a pas grand-chose dedans, malheureusement. Absolument rien d'intéressant. C'est pas grave. Ah, si j'avais le sceptre de Mitra. C'est vrai, ça serait fantastique. Hop. Non. Et toi? Ok. Bien voilà, c'est tout. Peut-être. Bah tiens, il y en a un qui a pop là. Ah, c'est le fameux. Le ninja. Cuisinier 2. Je crois que peu importe le moment où tu le trouves, il est toujours cuisinier 2 lui. Vraiment, il y en a rien à foutre. Ça n'intéresse pas. Il a pas envie d'up lui. Combattant 3. Combattant 2. Voilà. Silence. C'est une zone, bonne zone d'XP aussi, hein, si vous cherchez à up. Bonne zone d'XP. Je sais qu'il doit y avoir mieux, mais. Mais bon. Eh ouais, mon gars. Parfait, ça. Parfait. Des armes de graisse et compagnie.
2. On va peut-être plus le prendre, le fondeur 2. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être potentiellement utile. Combattant 1. Toi, t'es quoi? T'es archer. Ce cri! Il me régale. Il y en avait un ici normalement, il est où? Oui, voilà. Ok, là-bas, il y a un mec qui... Hop, voilà. Salut. Alors, toi, t'es quoi? Tanner 1. Alors, du coup, malheureusement, pas utile. Come on! Qu'es-tu? Tanner 1. Là, il y a un faiseur d'armes 1, c'est pareil, ça sert à rien. Ah. Merde. Est-ce qu'il reste quelqu'un ici? Il reste quelqu'un, combattant. Les deux combattants. Pas les sous-estimer. Hein. Hop, allez, non, on va être en surpoids, mais on ramasse tout ce qu'on n'a pas ramassé sur les mecs en sang. Bataille en sang que je vais voler pour assainir l'air. Ouais. Il y a d'autres. Tu les fais pour être ambiancé, tamisé, ouais. Par contre, là, si d'un coup il y a un gros mec qui pop, j'ai bien mal. Hein. Oh, quand même, le forgeron, quoi. Mais ce seum! Hop, vous là-haut, et c'est bon. Toi. Voilà. Est-ce que je pose pas tout simplement? Bon, je vais poser tout à la base. Ça, je reviens vierge. Tu penses qu'il serait pas remonté? Non, non, non. C'est en fait c'est un bug. Je sais pas pourquoi il passe au travers de la map et il tombe en fait dans le, là où il y a rien en fait. Hein. C'est un bug simplement. C'est déjà arrivé à 2-3 jours. Oula, bah, t'es, ouais, t'as, c'est un petit peu le malaise, quoi. Mais bon, tant pis, hein, t'as pas le choix. Massue en acier, ça c'est la mienne, ça c'est celle que j'ai trouvé. Bah ouais. Bah ouais, bon. Hop, alors ça, c'est bon. J'ai quoi? J'ai de l'acier, j'ai du verre. Pourquoi toi tu bosses pas à côté? Il y en a un qui bosse pas à côté là. Oh là là, oh là là. Oh, ça va pas le faire. Pourquoi tu bosses pas? Parce que t'as plus de feu d'acier. Ah, vache. Ah, il faut de la peau, il faut de la peau. Il faut du goudron. Donc il faut de la peau pour faire du goudron, pour faire des feux d'acier. Allez, tiens, merde. Hop, tu te remets au boulot tout de suite. Je te pète tes dents. Tata, ok, ça va. Là, oulala, il y a largement de quoi faire. Toi ici, t'as fait quoi? 102, c'est tout. Bah, c'est pas grave. Donc, après, on va se mettre peut-être en chasse de faire du goudron. Enfin, des plus en tout cas. Parce que là, le goudron, il faut que le tanneur il bosse plus que ça. Là, là ici, ok, ça va. Toi, tu fous rien, c'est pas bien.
ici, c'est pas grave. Barrette d'acier, hop, attends, je vais en reprendre 20. Voilà. Alors, ici, j'avais pas des lingots de quelque chose là tout à l'heure? Je sais plus. Ah, attendez, et ça, ça. Merde. Ok, ça va donner clairement de la dos. Du bois. Au cristal. Ok. Si j'ai quoi donner ça et ça. Bottle chimique aussi que j'ai pas besoin. Le charpentier là-bas, il a besoin de bois. Voilà, comme ceci, on lui donne de quoi faire ça. Ah, c'est là qu'on fait les manches. Oh, c'est facile! On va faire quelques. Hop. Le reste, tu vas en faire. Voilà. Le reste, on va le mettre ici. Et c'est parti. J'ai quoi? J'ai de la branche. La branche, ça va ici. J'ai le cristal qui va aller ici. Puisqu'il faut, ça va se transformer en verre. Bon, le petit caillou, hein, ça va 2 secondes. Ça là-dedans. Acier renforcé. Bah, j'avais pas trop besoin en fait d'acier renforcé. Hein. Alors, je vais le mettre là. La soie, elle a besoin d'aller là. La ficelle, je vais la mettre ici et on va en faire quelques-uns. J'ai pas beaucoup de consolidants en soi. Bon, bref, c'est pas trop grave. Hop, le reste, pièce contendante pour armes, on va le mettre à l'armurier. Avec ça. Et j'ai ma teinture qui va monter. Ah, c'est pour ça, la cheminée n'était pas allumée. Voilà. Ok, ok. Bon. Eh bien, pour le moment, c'est pas mal. Donc, du coup, je vais faire une petite pause. Là, je vais revenir vers 13h30. Puis, c'est tout, quoi. Ouais, le seum, comme tu dis. Comme tu dis. Bon, gros seum, quoi. Je peux pas la réparer, l'épée. Ah. Chier. Je suis comme. Bah, du coup, je suis désolé. Je vais fabriquer ça. Grosse épée. Et je sais pas si je vais lui mettre un truc de. De dégâts supplémentaires pour envoyer vraiment du steak. Ça sert à rien. Là, ici, on a quoi? Établi d'armurier amélioré. Pourquoi on se fait chier avec les trucs à côté alors? Ah oui, c'est vrai, c'est le truc sans défaut. Exact, exact. Bon, y a mieux, hein. Recette tissage fil de soie. Ouais, mais on n'a pas, non. Fourrure en multiple couche. Je pense que ça, on peut en avoir là-dedans. Ouais, c'est ça. J'avais l'ancien, donc il veut pas le péter. Bon, tant pis. Eh bien, ne le pète pas. Puisque tu n'en veux pas. Bon, allez. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Dans le chat. Pour ceux qui sont là. Et puis, j'entends des bips depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Bref. Donc, 13h30 pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà quoi. Allez, ciao!